La voilà, cette arme. Cette arme qui devait tout dire et qui n'a rien dit. Elle est seule, très seule, sans autre preuve. Car l'extraordinaire de ce procès, c'est que cet homme a été condamné sans preuve, sur des mots, rien que des mots. Mon père m'a dit, mon frère m'a dit, mon père a dit à mon frère, et c'est ainsi qu'une condamnation est intervenue. Frappant un homme dont j'ai la conviction qu'il était innocent, comme l'avaient les réalisateurs de ce film. Et nous ne sommes pas seuls. Il a dû être certainement très troublé, monsieur le garde des Sceaux de l'époque, qui, 15 jours après, ordonnait une nouvelle enquête. Il a dû être profondément troublé, monsieur le président Coty, qui, en 1957, commuait en réclusion criminelle la peine de mort qui a été prononcée, et aussi le général de Gaulle qui, en 1960, prononçait la libération de Gaston Dominici. Cet homme a été condamné dans ces conditions-là. Et pourtant, personne n'a voulu la condamnation d'un innocent. Personne dans ce procès n'a trahi les devoirs de sa charge. Et de pareilles choses, cependant, arrivent. C'est une leçon qu'il faut méditer. Et je crois que la conclusion de ce débat, c'est celle que donnait un jeune homme que je défendais devant la cour d'assises de Nîmes, qui a été acquitté après avoir été condamné à 18 années de réclusion criminelle lors du précédent procès et qui n'ajoutait que quelques mots. Je ne souhaite qu'une chose, c'est que ce qui m'est arrivé serve de leçon pour d'autres que pour moi-même.